Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le général Camille Makosso est impliqué dans une affaire avec l'état-major des armées de Côte d'Ivoire, qui a récemment publié un communiqué pour confondre l'influenceur. Les détails dans cette vidéo. Une publication sur les réseaux sociaux, un individu présenté comme Makosso Camille prétend avoir été pensionnaire de l'école militaire préparatoire technique. Dans une tentative de justifier sa propension à arborer des tenues aux motifs militaires. Cela en toute inobservation des dispositions encadrant le port de l'uniforme des armées. Le Bureau d'information et de presse des armées, BIPA, tout en saluant la publicité ainsi faite à cet établissement militaire, invite instamment l'auteur de ces propos à s'abstenir d'associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n'en a pas besoin. Tchao. L'MPT, dont l'histoire se confond avec l'excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont de véritables identités remarquables, toutes de compétences, de vertus et de sagesse. Le BIPA prend à témoin l'opinion qu'il invite par ailleurs à consulter le compendium des anciens enfants de troupes et réitère que l'intéressé n'en est pas un. De façon plus précise, M. Makosso Camille n'a jamais fréquenté le MPT et le souvenir de son passage n'est présent ni dans la mémoire des anciens, ni dans les éphémérides de l'école. Ouah. Le BIPA tient à rappeler que l'accès à la scolarité dans cette école militaire est l'aboutissement d'un processus rigoureux de sélection des meilleurs enfants de Côte d'Ivoire inscrits en classe de CM2, satisfaisant aux conditions biologiques, physiques et médicales exigées. Toute valeur peu perspective chez l'intéressé. Il tient enfin à rassurer les parents d'élèves qu'ils continuent de faire confiance aux armées pour l'éducation de leurs enfants. Que des individus de cet acabit ne peuvent être issus de l'EMPT. En d'autres termes, le destin d'un pensionnaire de l'EMPT est à l'opposé de celui du surnommé. Voici ce que le communiqué a dit, c'est lourd. Moi, j'ai envie de boire de l'eau en temps. C'est fort, là. Alors, il faut préciser que le BIPA, c'est le Bureau d'information et de presse des armées. Alors, est-ce que... on va commencer la dépaporisation. Est-ce que Makosso, il a prouvé qu'il a fait l'EMPT après ce communiqué, Karina? Il n'a rien précisé, Moulou. D'accord. Il n'a rien précisé. Il a juste demandé pardon. Il a juste demandé pardon. D'accord. Bon, d'accord. Je pense qu'on a, une vidéo dans laquelle il s'est exprimé. Tadic? Au directeur de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique d'Abidjan, meilleure école militaire préparatoire technique de l'Afrique de l'Ouest. À tous les militaires, à tous les enfants de tous qui ont une fois fait l'EMPT, au ministre de la Défense, au ministre de la Justice, au Premier ministre et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, sans oublier le ministre de l'Intérieur. Voilà moi. Je suis un pauvre petit enfant d'Abobo qui se met à genoux devant vous. Je suis père de 5 enfants, dont 4 enfants avec ma femme défunte. Il y a des affaires, tu ne peux pas te jouer les durs. Me voici. Je me mets à genoux devant tous les Ivoiriens. Je demande pardon. Vraiment. Je ne peux pas venir devant vous pour dire, oh, j'ai raison. Oh, non, c'est moi. C'est ma vidéo. C'est moi. C'est moi l'enfant de la maison. C'est moi qui dois protéger la maison. Ce n'est pas moi qui dois mettre un scandale sur la maison. Je viens devant tout le monde. Je vous demande pardon. Vraiment, je vous demande pardon. Non. Il n'y a pas de ministère. Une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!